Monstre, genre Stan, le foot et rap. On m'a envoyé ces vidéos. Noir, wesh. Regardez, il y a plein de cafards. Il y a plein de cafards. Ça, c'est merde. Il y a que des noirs, que des noirs. Que des noirs. Il serait déchiré. Je regarde pas les gays. Les gays, je les vois. Je les regarde pas parce que je les aime pas. Bah, les noirs, je les vois. Je les regarde pas parce que je les aime pas. Pareil. De toute façon, on les voit pas. C'est vrai, on il a pas dit des fils de pute. Hein. On l'a juste dit. Je les calcule pas. Je les voyais, je vais traiter leur mère. Je vais te frapper. Je les calcule pas, c'est tout. Je vais te frapper. Je les calcule pas, c'est tout. Eh hey cousin, tu peux frapper personne. Personne tu vas frapper ici. Prends le clochard à la cam, on et c'est pas mes copains, c'est pas mes amis. Parce qu'il pue. Ouais, il pue. Ouais, il pue. Ça sent pas bon, hein, moi. Il vient me dire le contraire, par Allah, il ment. Par Allah, il ment. Par Allah, il ment. Ça sent pas bon, c'est un vélo, lui. C'est qu'on voyait des noirs. Ouais, quand c'est un vélo. Là, il parle d'un objet. Il est sur ton petit cuillère. Tu es négro des chats, là. Qui se faisait fouetter le cul avec des fouets avant. Tu négro des chats, là. Qui se faisait fouetter le cul avec des fouets avant. Il va me casser les couilles. Hein. Mais tu te fais niquer par ton. Et on m'a demandé d'en parler. Personnellement, je trouve ça gênant de ouf. J'ai jamais compris pourquoi. J'ai jamais compris ce genre de remarque en fait. Et là, je vais expliquer pourquoi. Ça va être ma dernière vidéo sur le sujet. C'est parti. Rap. Les rebeux c'est mes refrains. J'aime pas Bassem, il essaie de diviser. Tout est peur, la meilleure ne chère. Donc il faut la quête. Tout d'abord, avant de commencer, on doit faire un cours d'histoire. Hein, parce que certains maghrébins ne veulent pas l'admettre. Ils pensent qu'ils viennent de Dubaï. Mais 99,9999% d'entre eux, ils ont du sang natif d'Afrique et aussi des jeunes d'Africains subsahariens. Et d'ailleurs, je les mets tous au défi. Hein. Tous les Maghrébins qui m'écoutent, je vous mets tous au défi de faire un test ADN. Pour que vous compreniez enfin, je parle pas des gens qui pensent pas comme ces deux gens-là, hein, mais pour qu'ils comprennent enfin l'imbécilité que certains sont en train de projeter. D'ailleurs, il y a plein de vidéos sur YouTube où des Maghrébins font justement des tests ADN. Et c'est rare de trouver des Maghrébins qui ont pas du sang subsaharien dans les veines. Je suis un des Z. Ok, 83,8% Afrique. Ne me jugez pas, chaque humain est comme il est. 81,1% Nord-Africain. Donc je suppose que ça englobe Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, Égypte. Donc bon, je suppose que c'est plutôt Algérie. Et 2,7% Niger. 8,3%. Of course, hein. Mais disons que on a souvent reçu des petits sobriquets du style Michael Jackson, Bob Marley, Janet Jackson. On a souvent été assimilés voilà, à des personnes métissées, moi et mon père. Là, avec le voile, c'est vrai que je fais plus rebeu que autre chose. Mais quand j'étais petite, on pensait souvent que j'étais métisse. Je suis majoritairement européen à 54,1%. Donc, quand on dit Europe, nord de l'Afrique, 11,4%. Seulement. Seulement. C'est-à-dire que tu es vraiment plus européen que nord-africain. Alors que mes parents, eux, sont originaires justement du nord de l'Afrique. Et oui. T'es un peu le cousin de Rudy. Des cousins. Tu as du sang Yoruba à 7,5%. Génial. 7,5%. On va y aller ensemble. Ouais, je crois. Ouais. Ouais. Avec le colorisme, la traite arabo-musulmane, la colonisation, à l'époque, c'était mieux vu d'avoir la peau claire. Et ça a fait la même chose aussi au Brésil. Au Brésil aussi, il y a eu la même situation où beaucoup de gens se sont accouplés avec des personnes plus claires de peau afin de faciliter la vie de leur descendance par rapport à la société de l'époque. Tous les rebeux qui ont des cheveux crépus, c'est pas parce qu'il y avait un tour de magie. Hein.
C'est clairement, bref, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est juste à vous, si vous êtes conscient ou si vous voulez faire un retour dans votre histoire ou comprendre exactement d'où vous venez, je vous souhaite de faire quelques recherches ou même des tests ADN parce que vous allez sûrement être surpris. Hein. Car parler arabe ne fait pas forcément de vous un arabe. Le Geographic Project, mené par National Geographic depuis 2005 et publié en 2017, qui consiste à décrypter l'ADN de plusieurs populations à travers le monde, notamment celle de l'Afrique du Nord. Cette étude vise à répondre à des questions fondamentales sur les humains. D'où viennent-ils? Et comment ont-ils réussi à peupler la Terre? Le Geographic Project montre de manière purement scientifique et incontestable que le génome arabe n'est pas dominant en Afrique du Nord. Il est même très marginal. Et qu'il n'est pas répandu dans les pays voisins de l'Europe. Il montre aussi que le génome nord-africain se trouve sur quatre continents. À savoir en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Ainsi, la population des pays du Maghreb ne possède que 4% du génome arabe et 88% du génome nord-africain, essentiellement constitué du génome berbère. La population égyptienne possède, quant à elle, 17% du génome arabe et 4% du génome juif. Elle est également à 68% berbère. Regarde Drake par exemple. Il pourrait facilement passer pour un maghrébin et regarde son fils. Qu'il a eu avec une caucasienne, il ressemble plus du tout à un renoir. Alors que le père de Drake, il est bien noir avec des cheveux crépus et carrément il est foncé de peau. Il suffit de deux générations pour que la couleur de peau disparaisse. Et je peux aussi citer Fritz Corleone ou même Booba qui portent les deux ils ont un parent noir et un parent blanc. Et ils ressemblent clairement à des maghrébins. Si tu connais pas leur origine, je pense qu'ils viennent du Maroc ou quelque chose comme ça. On a aussi ce phénomène en Amérique du Sud. Plein de noirs se sont mélangés avec des blancs. Et du coup, il y a des enfants qui ressemblent à des rebeux automatiquement. Enfin, pas automatiquement, mais dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, on a Thiago Alcantara qui joue à Liverpool. On a aussi son frère au PSG. Leur père, c'est un Renoir. Il était footballeur, un Renoir. Voilà, il était connu pour être un noir. Et ses enfants, ça ressemble plus à des rebeux. Bref, pour les deux individus là qui ont mal parlé, je les invite vraiment à aller faire des tests parce que vas-y flemme. Après il y a Bassem, lui c'est le pire mec au monde. Lui. Black Swag, vous êtes des ustensiles, vous êtes des faire-valoir, c'est tout. On vous demande de nous faire rire, vous savez que faire rire, manger, dormir, niquer. Vous êtes des animaux, vous avez aucun cerveau, par Allah vous êtes des ustensiles. Il y a 5 ans, honnêtement, il n'y a personne qui faisait des vidéos comme ces deux individus-là. Moi, j'ai connu des rebeux sur deux qui n'avaient pas besoin de faire des vidéos comme ça. D'ailleurs, même, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé entre-temps. Ou bien, il y avait plein de rebeux qui pensaient comme Bassem et ils n'osaient pas parler. Ou bien, c'est Bassem qui les a convertis. Les Noirs qui sont fiers d'être Noirs, les frères musulmans, non, les gens comme Kémy Séba, les gens comme ces gens-là, Wallah. Oui, c'est vrai, je suis de Paname, mais il y a des nationalités, ils ont la rage contre nous. Ça, faut pas se mentir. Congolais, 90%, c'est eux le mal. Je parle de quoi, elle? Moi, je suis malade. J'aime pas généraliser, mais je le vois de moi-même. Eh, mais c'est qui ces gens? Ils sont malades. Congolais, Camerounais, ça, faut l'enlever. Parce qu'il y en a plus à Paris, peut-être. Nous, on en a à Lyon, ils sont pas comme ça. Wallah l'adim, peut-être que... Chez vous, peut-être, mais à Paris, c'est ça, en tout cas. C'est eux. C'est vrai que les Maliens, ils restent à leur place, ils sont respectueux, ils viennent pas nous emmerder, ils nous regardent pas. Ça va. C'est faible. Mais moi, je pense vraiment qu'ils ont la rage. On est attaqué de tous les côtés parce qu'être maghrébin, c'est swag, maintenant. Honnêtement, je trouve ça ridicule. Surtout quand ils font automatiquement passer une maghrébine qui sort avec un roman comme une meuf pas bien, pour être poli, et surtout quand, bref, surtout quand leur gourou il fait ce genre d'action. Donc, pour tous les Tunisiens du groupe, d'où est-ce que vous venez de Tunisie? Vous venez du Nord ou du Sud? Ou, comme moi, du Centre? C'est quand même marrant de voir notre pseudo-nationaliste maghrébin en train non seulement d'afficher sa sœur maghrébine, qui
qui porte le maillot de la Tunisie et de la ploter de cette manière devant des caméras tout en faisant des dédicaces à des gens. Et c'est ce même personnage qui vient faire la morale à un Malien qui est fier de montrer que sa femme porte le maillot national de l'équipe du Mali. Donc, qu'est-ce qui est plus grave ? La femme qui porte le maillot ou cet homme qui est en train de dénigrer sa sœur maghrébine, de la faire passer limite pour une prostituée, puisque en fait il est en train de la ploter dans une voiture la nuit. Est-ce que ça c'est une forme de respect pour sa sœur maghrébine? Non. Est-ce qu'il respecte également le drapeau de son pays? Non plus. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Il est profond au centre. Bref. Donc petite dédicace, ça va aller tout par deux hein, de toute façon. Hein. Dédicace à Harmonica, à Dumbledore aussi, à Yayaï. Pour le groupe, à Dr. Hanel. Et pour mon groupe, à moi, Face Maghreb. Donc voilà, après l'effort, et prenez soin de vous comme d'habitude. Hein. Et puis on essaye de faire les choses au calme. Vas-y, tu peux tirer une grosse fumée pour le groupe. Tire. Ouais. Pour Face Maghreb. Yes. Sur ce, très bonne soirée. On se dit à plus. Je veux bien comprendre que certains soient remontés contre les rappeurs, parce que c'est normal, des rappeurs ils parlent mal de ta communauté ou de etc. Bon, c'est normal, mais ça c'est du cas par cas. Eux, leur job, le job des gens comme les deux individus là, c'est de rabaisser les renards pour se rassurer, wesh. À la même heure, les renards on les calcule même pas, c'est ça le pire. C'est que en ce moment, hein, je vous dis la vérité, hein, et puis même vous pouvez le voir dans tout. Dans ce qui se passe, etc. On est de plus en plus communauté, on commence à faire nos trous dans l'entrepreneuriat, on s'organise, on crée des sociétés, on commence à se réveiller. Et combien de fois dans l'année tu vas voir des renois faire des vidéos où, ouais, regardez, il y a ces cafards là derrière, wesh. On est où là? Et ça sert de faire, ça sert à quoi tout ça en fait? Pour amuser tes potos rebeux pur snap qui disent, ah, oh, tu les as trop taillé, t'es vraiment cool. Ou c'est pour plaire à Bassem. Vous imaginez en blanc en Chine, voir des rebeux et faire une vidéo en disant « Ouais, que des rebeux à la plage, c'est cafard !» Parce que c'est exactement ce qui se passe. Ici, on est en France, c'est ni chez vous, ni chez nous. Donc, vous n'avez même pas à parler en vrai. Et puis, si vous vous sentez mal, quand nous, on est autour, si vous ne pouvez pas nous voir, vos yeux, vos... Et ce mec, il me tue, il a dit, ouais, quand je vois des renois, bah, je les vois, mais en fait, je les vois pas parce que je les aime pas. Bah, les noirs, je les regarde pas parce que je les aime pas. Je les chelou. Et c'est quoi qui justifie cette méchanceté à la base? À mon avis, s'il y a des rebeux et des renois qui sont en couple parce qu'ils veulent être en couple, faut les laisser kiffer leur vie. Au final, c'est le même sang que vous venez au nom. Et la seule différence, c'est le contexte politique. Là, on est en 2021 et le noir, il représente plus l'esclave. Et pour certains rebeux, ça se voit que ça vous fait mal. C'est juste une question de fille au final. Moi, je trouve ça grave dommage. Et dans les commentaires, j'ai vu des trucs de ouf. J'ai pas envie de les citer parce que laisse tomber. Mais il y a même des commentaires qui étaient tellement violents que YouTube même, ils ont bloqué ça. Ça pouvait même pas être vu par les gens parce que c'était trop mystique. Ouais, ça noir, nanani, nanana, l'esclavage, on a fait ça bien. Ouais, des trucs de ouf, moi. Ouais. Quand je lisais ça, je me disais non, il y a vraiment des gens qui pensent comme ça, wesh. Et pourquoi en fait? C'est quoi qui justifie cette bêtise? C'est quoi en fait? C'est. What's going on? J'essaie de comprendre. Et je comprends toujours pas. En tout cas, voilà, c'était toujours Stan de Foot et Rap. Troisième vidéo de la semaine, là, je bats un record de ouf. Il y a la vidéo sur Pop Smoke, elle est sortie. Il y a la vidéo aussi, le court-métrage générique, elle est sortie aussi. Suivez-moi sur Twitter.